les amis, la taupe du 68, petite journée détection. C'est immense. Voilà, première cible pour moi. Ça se passe ici et regardez, il n'y a même pas besoin de creuser. Une première douille de chasse, je suppose. Ouais, ça doit être de la chasse, je pense. On verra ça au nettoyage, je pense que c'est chasse. Bon, sinon, rien d'exceptionnel pour l'instant. Allez, à la suite des prochaines trouvailles. Nouvelle cible pour moi, et c'est un euro. À 12h35, hein, il sonnait. Hein. L'honneur est sauf. Ouais, c'est archi pollué hein, ce champ. C'est archi pollué. Bon, allez, hein, à la prochaine merdouille. Hein. Hop. Voilà, la voiture est là. Tresse est là-bas. Et là, mon premier trou. J'ai juste de commencer. Hein. Et elle est là. Une première monnaie, regardez. Voilà. Mais par contre, je crois qu'elle est sabot. Ah ouais, à mon avis, elle est sabot là. Ah ouais. Elle est complètement flinguée, ouais. Elle est HS. Flinguée HS, je pense une 5 Phoenix en zinc. Monnaie en zinc, je suppose. Je suppose. Bon allez, à la prochaine trouvaille. Voilà, nouvel objet pour moi. C'est là-bas où j'ai fait la 5 Phoenix, où j'ai un peu avancé, et puis là, je suis revenu vers ici. Et donc là, j'ai un objet. Par contre, c'est un objet. Alors, aucune idée. Aucune idée. Je sais pas si c'est un reste de fonderie. Ouais, si, je crois. Ah. Il me semble que c'est un reste de fonderie. Ouais, ouais. Je pensais que c'était quelque chose d'intéressant, mais bon, apparemment, un reste de fonderie. Bon, allez, prochaine trouvaille. Voilà, nouvel objet pour moi. Par contre, j'ai aucune idée hein, sur ce que c'est. Voilà, comme vous pouvez voir, ici, tuc tuc tuc, comme ça. Et de l'autre côté. Voilà. Un reste de fermoir ou je sais pas ce que c'est. C'est bizarre. Allez, à la prochaine trouvaille. Voilà, nouvel objet pour moi. J'étais tout en bas. Hein. Vers là-bas. Je suis remonté comme ça. Ici, juste ici, juste ici. Et je suis revenu là. Là j'avais fait une balle de chasse ou une lebel, je sais pas. Juste là j'ai un objet. En fin de compte, il est à peine en surface. Il est juste là. Et on va voir ce que c'est. C'est peut-être une merdouille. Hein. Ouais, c'est ça. Ouais. Ok, c'est une merdouille. Je me suis fait avoir. Je croyais que c'était du blanc. Allez, tant pis pour moi. Voilà, prochain travail. Enfin. Depuis ce matin, que des merdes, à part la 5 Phoenix en zinc, hein, rincé, c'est tout ce que j'ai fait. Encore là, de l'aluminium, donc au bord hein, du champ. Donc, je me suis dit, je vais me rattraper un peu vers le centre. Et donc là, une nouvelle cible, et c'est une monnaie. Elle est là. Et on va découvrir ce que c'est. Qu'est-ce que nous avons là? Alors, qu'est-ce que c'est que ça? En tout cas, il y a du cuivre là-dedans. J'en sais rien. Aucune idée. Je vais essayer d'en frotter. Qu'est-ce qu'on a là? C'est quoi ça? 20 centimes, je crois, de francs. Non, c'est une 10 francs. Ouais, c'est ça, ouais. C'est une 10 francs. 10 francs, 10 francs... Avec la tête de la Marianne.
Je sais plus exactement ce que c'est, comme 10 francs. Voilà. Je crois que c'est l'avrillier ou je sais plus. Bon, écoutez, ça fait plaisir, même si c'est une monnaie que je n'espérais pas. Allez. Hop, à la prochaine trouvaille. Bon, voilà, nouvelle cible pour moi. La 100 francs, je crois que c'était une 100 francs, 100 francs coché, je crois. Quelque chose comme ça. Elle était juste là. Ou au bout. Ouais, je crois au bout. Ouais. Parce que là, j'ai fait encore des merdouilles. Et juste là. Et je crois que c'est un gros dé à coudre. On va voir ça de suite. On va le taper. Désolé pour le bruit. Ouais, il me semble. Hein. J'ai la maîtresse qui est là-bas. Il m'a rejoint, il était au bout là-bas. Ouais, c'est ça, il me semble. Hein. C'est bizarre. Je suis pas sûr que c'est un dé à coudre. Ça me paraît bizarre. Ça me paraît bizarre la forme. C'est rond et tout, mais c'est bizarre. Bon, allez, à la prochaine trouvaille. Voilà, nouvelle cible pour moi. Ben, la bague à coudre était là. Hein. C'est pas un dé, hein, une bague, excusez-moi. Je pense que ça se mettait au niveau du pouce. Et juste là. Mais alors, contre, même pas besoin de creuser. Hein. Regardez, c'est juste là. Voilà. Hop là. Une balle de chasse, hein, je suppose. Avec l'ogive, hein, encore. Avec l'ogive. Allez, à la prochaine trouvaille. Voilà, on va essayer de faire un live en direct. Hein. Et là, ça sonne là. Ah, 12-20, 12-21. Un peu comme du plomb. Hein. Je suppose que c'est peut-être du plomb, mais on va voir ça. Hein. On va voir. C'est dans. Dans sorti le trou dans sorti. Et qu'est-ce que c'est? Qu'est-ce qu'on a là? Alors, c'est quoi la merdouille? Ça serait trop beau que ça soit quelque chose. Donc tu peux t'approcher, hein, si tu veux. Ce sera mieux, hein. Alors, c'est là-dedans? C'est même pas là-dedans. Ouh, elle est là. Qu'est-ce qu'elle est où la merdouille? Elle est où? Bon, c'est quoi ce bordel? Ah, c'est là. Alors, oh, voilà. Une merdouille en live. Un morceau. Un morceau de zinc. Allez, à la prochaine trouille. Voilà. Nouvel objet pour moi. Par contre, la dernière cible était vers là-bas. Hein. C'est le doigt de ma fille. Hein. Voilà. Et puis là, j'ai une nouvelle cible. À 12-16. Et on va voir ce que c'est. Allez, zou. Hop là. Et encore dans le trou. Hop là. Ok, c'est sorti, c'est là. Alors, qu'est-ce qu'on a là? On va mettre le petit gant. Ah bah, voilà, hop. C'est une merdouille. Un morceau d'aluminium. Bon, allez, prochaine trouvaille. Allez, nouvelle cible pour moi. Et je pense qu'elle est là-dedans. Non, même pas. Ouhouhou. T'es où? T'es où? T'es là? Non. Où c'est que c'est où? C'est là. Ok, alors qu'est-ce qu'on a là? C'est où? C'est là-dedans? Ah, alors qu'est-ce qu'on a là? Un anneau? Je crois. Non, même pas.
un bouton? Ça ressemble à un anneau, non, en fin de compte, c'est une aiguille de. Je pense une aiguille de. D'horloge, je suppose. C'est bizarre. C'est peut-être une aiguille d'horloge, je suis pas sûr. Bon, allez, prochaine trouvaille. Ah, nouvelle cible pour moi, l'ancienne cible était juste là. Hein. J'ai fait à peine 2 mètres. Et ça se passe ici. Et on va voir ça exactement. Alors. C'est. Tac, tac, tac. Ah, c'est là. C'est là, c'est là. Alors, qu'est-ce qui se passe? C'est là? Ouais, c'est ça, ouais. Alors. Ah, c'est ça. Ouais, une merdouille, de nouveau. Allez, prochaine trouvaille. Pour moi. Et ça se passe ici. Pour augmenter le zoom, si tu veux. Voilà, c'est avec. On croirait un petit pendentif. Je suis pas sûr, avec un petit cœur, ou je sais pas, un petit pic. Pic, pic, machin. Voilà. Donc à la prochaine trouvaille. La cible pour moi, je viens de tout là-bas. Hein. Vous voyez. Donc là j'ai fait toute cette rangée. Et juste là, regardez. Elle est ici. Elle est là. Donc voilà, regardez. La monnaie. La petite monnaie. Rien d'exceptionnel. Une 1 franc Bazor. Voilà. 1943. Voilà. Voilà le bilan pour moi, hein. Comme l'a dit très récemment. Donc une 1 franc Morlon 1947, une 100 francs, je sais plus si c'est cocher ou je sais plus. Voilà, voilà la 5 Pfennig qui est ici. Voilà, voilà la 5 Pfennig. Après, là, 1 euro. Après, un objet insolite ici. Aucune idée. Après, ça, c'est pour la maîtresse. Hein. De douille de chasse, de chasse Lebel, l'autre peut-être chasse ou Moser, une ogive, deux pistolets, après une attache de. C'était quoi là ton attache que tu avais là? Un passant. Un passant d'épée, hein. Ouais, possible que ce soit un passant d'épée. Je me trompe peut-être, hein. Voilà, passant d'épée, un beau pont de sac, on a 5 Pfennig, la loulou. Un bouton, objet aussi pareil à identifier. La petite cuillère, super. Avec le petit personnage. Je ne sais pas si vous pouvez voir. Voilà. Donc, avec un forgeron dessus. Ouais, ouais c'est marrant ça. Il doit y avoir une troisième ou une quatrième partie. Ouais. Mais je suis sûr qu'il y a encore des choses à faire là-dedans. Et là, la royale. Super. Il y a encore des choses à faire là-dedans. Celle-là, c'est pareil, j'ai trouvé en sortant de forêt. 1712. C'est 12? Ouais. 1712, ouais, c'est ça, il me semble. Magnifique. 1712. La blanche. Magnifique. 20 Pfennig en blanche. Oh. Une 20 francs, 1 franc Morlon. Pareil, une royale, mais ça vaut. Là, 2 Pfennig. Une 5 Pfennig aussi. Un peu rincée. Une balle de shrapnel ou mousquet, puis un petit objet insolite, et puis comme la dit Tress, voilà, ça c'est, il n'y a pas que les belles choses hein, dans la détection, il y a aussi tout ça, hein, tout ce qu'on sort, hein. Ce que certains ne montrent pas, ben nous on le montre, hein. Voilà. Beaucoup plus de merdouille, hein. Donc c'est des heures et des heures à passer à creuser, pour un petit bilan maigre, mais voilà. Des fois, il y a la récompense. Hein. Il y a la récompense à la fin. Donc voilà. Bon, bah sur ce, vous abonnez. Et sur ce beau coucher de soleil, je vous souhaite une très très bonne soirée. Et ouais, comme disait Tress, hein, des fois il n'y a rien et des fois il y a. En tout cas, je ne suis pas déçu. C'est mieux que rien. Ouais. Allez, à plus, les amis. Ciao.
forêt derrière. J'ai oublié, juste ici encore. Quelques merdouilles aussi à tresse là. Un plomb. Un plomb ou un poids monétaire. Ça, un gros ça, poids monétaire. De poids. Ouais. Après, il attache une charnière. Voilà. Un reste de fer. Fer à cheval, je pense. Dans le bois aussi. Ouais. Pareil, une attache aussi. Et puis un morceau de fer. Voilà. C'est de l'or en barre. C'est ça. Voilà. C'est de l'or en barre. Allez. À plus, hein. Ciao.